Bon, ben aujourd'hui c'est parti pour un vlog un peu spécial, les gars, puisque je suis avec The Best Sounder of the World. Donc voilà, on a les Hummingbirds ici. Et pour être sûr de ce qu'on voit au fond, et ben aujourd'hui, mon sondeur, mes yeux, ça va être Jean-Mi. Bon, sur 25-35, hein, pas plus. Voilà, léger quoi, léger. Il dit 25-35, mais tout à l'heure il me regardait mes points à 39, donc. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être un vlog assez sympa. Et du coup, bah, il va descendre avec la GoPro avant, et donc il va pouvoir analyser un peu ce qui se passe, les courants, savoir comment vont les poissons. Donc ça va être assez intéressant d'analyser tout ça et essayer après de mettre un beau leurre souple bien placé à travers les dents d'un beau dentier. Voilà. Bon, on n'en dit pas plus, on vous laisse regarder ces belles images. Bon ben, poisson, mais je pense que c'est un nanti, c'est calé au fond. Et donc l'avantage, c'est qu'avant de casser, de savoir si c'était un nanti ou un mérou, Jean-Mi va descendre. Donc attention, est-ce qu'il va réussir à le remonter? En tout cas, il est descendu avant, il a vu beaucoup d'activités, beaucoup de bandits, quelques céréoles. Donc franchement, j'espère qu'on va vite décrocher celui-là et essayer de remonter, savoir si c'est un nanti, le remonter et puis essayer de leurrer ça, parce que ce qui paraît c'est la folie. Alors je sais pas ce que fait Jean-Mi, mais ça bouge au fond. c'est énorme. Là oui, ça dérague. Après, le sondeur, le dérageur. Oulala, ça part fort. Oh oh, je crois qu'il me l'a dérogué. Ouh, il me remonte là. Pop. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est Jean-Mi. Si. Je ne sais pas si je remonte Jean-Mi ou si c'est... ou si je remonte... le poisson. Je pense que je remonte Jean-Mi. Ça a fait un départ, les gars. C'est quoi qui remonte? Ah non, Jean-Mi, je remonte un truc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Le mérou avait gommé le denti et Johan est en train de remonter le denti. Mais non. Énorme. Heureusement que c'est filmé, ça. Alors, je remonte quelque chose, Jean-Mi est sorti de l'eau, c'est juste énorme. C'est énorme. Oh putain. Attention. Ta-na-na-na-na. Vous allez voir, ça a fait un gros départ. C'était, vous croyez que c'était énorme. Je suis tout seul, Jean-Mi est dans l'eau. Attention. Attention, Rodriguez. Un petit denti. Alors les gars, bon là je suis tout seul à filmer, donc c'est un peu le bordel. Mais voilà, je crois qu'on a eu un déragage en règle d'un petit denti. On va vite le relâcher, le pépère, parce qu'il est vraiment pas gros. Pauvre petit bébé. Voilà. Petit denti. Voilà. Chat GT. Coloris 88. Le top. Énorme. Ça a dû être énorme, non? J'ai eu un départ de folie en bas. En fait, t'avais un mérou de 15 kg, 10-15 kg qui t'a gobé le denti. Non. Il est mort alors, le denti? Hein, je sais pas, il était dans la gueule du mérou et j'ai fait bouger le mérou. Et
Et il a relâché le dentier quoi. Chat GT. Ah bon, c'est filmé. Hein. Donc si vous avez pas entendu, en fait, il y a le, j'ai eu un départ de dentier, donc c'est... j'étais bien sûr que c'était un dentier. Et en fait, il y a un gros mérou qui a gobé le dentier. Et en fait, Jean-Mi, il a été récupéré au fond, le dentier qui était au fond du mérou, énorme, énorme. Bon, on va relâcher. Jean-Mi, tu le filmes? On le relâche? Alors c'est un truc de fou ce qui vient de se passer les gars. Donc après le plomb de relâche, le Jean-Mi de relâche. Donc il est parti descendre le denti. Voilà, ben comme ça. Comme ça, pas besoin de plomb. Alors bon, après moi il est cuit. Allez. Bon, celui-là, on va le garder malheureusement. Mais c'était énorme du coup. Voilà, un bébé dentier qu'on va devoir malheureusement garder. Mais c'est pas nous qui l'avons tué, c'est le méchant Mérou. Chat GT encore. Chat GT coloré 88. Voilà. Avec un peu de posidonie, un peu d'algues. Voilà, il a un peu morflé. Mais du coup, voilà, c'est bien ce que j'avais pressenti. C'était un beau départ de dentier et voilà, c'était pas très gros. Et puis d'un coup, c'est parti très très fort. Il y a un gros Mérou qui a mangé un petit dentier. Ça règle les copains. Bon, ben, ça a été épique. Heureusement qu'on a filmé. Hein. Donc comme vous avez vu, ben, Jean-Mi nous a fait des belles images sous-marins. Enfin, normalement en fait, on n'a pas foiré les plans, mais... Alors, ça devrait le faire. Mais voilà, vous avez vu un truc quand même énorme. Donc du coup, voilà, j'ai pris un dentier au Chat GT. Et du coup, je sentais bien que c'était un dentier. Et à un moment, ben, comme vous l'avez vu, un gros rush... Je savais pas trop ce que c'était, Jean-Mi est descendu, il a été voir et Jean-Mi, ce que c'était. Un gros mérou qui avait gobé le dentier. Donc ouais, voilà. Tout simplement. Quand on dit que les mérous ça mange pas tout, bah ça mange ouais, ça bouffe tout. Ça mange un peu tout quand même. Donc voilà, donc une session bien sympathique, un peu de poisson quand même. Là on a fini sur les coryphènes et ben voilà, il y en a mais elles veulent pas mordre, alors du coup bah on va vous laisser profiter de... Pour une prochaine fois. Hein. Voilà, on va vous laisser profiter de ce beau coucher de soleil. Et puis, ben, nous, on va rentrer à nos maisons. Allez, ciao.